Salut, bienvenue au... Je crois que j'ai oublié des choses, moi. Salut à toi, Cooltrain. J'espère que vous allez bien. Alors non, ce n'est pas qu'à vitesse encore plus dure ce soir. Je me suis juste... J'ai juste oublié de modifier ça. Je vais vous le modifier tout de suite. Salut à toi, The Bidouillard. Alors... Hop là. Je vais vous faire la modif en live. Hop, voilà. Mieux. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème le Lab As code. On continue cette saga du Home Lab qui est instancié en utilisant des outils d'infrastructure As code. Et ce Home Lab, en fait, l'idée, c'est donc de faire un labo réseau et système qui, quelque part, est une mini-maquette d'Internet. Donc, on va y trouver du réseau type opérateur, et puis on va y trouver des services qu'on trouve sur l'Internet mondial et convivial, comme du DNS, du web. On mettra peut-être d'autres choses. Pour le moment, on en est encore qu'à la partie, je dirais, on commence un petit peu à configurer certains services, voire même à reconfigurer certains trucs. On a globalement, je dirais, le squelette de base. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas trop chaud, et que vous êtes aussi emballé que moi d'avancer sur ce sujet. Alors, je vais commencer par vous montrer, comme d'habitude, le petit schéma qui va bien. J'ai lancé l'allumage du lab il y a quelques minutes. Et sur ce serveur, on avait, dans les épisodes précédents, on avait mis un site web. Et puis ici et là, de mémoire, on avait les DNS, mais surtout on avait peut-être un petit souci à l'allumage pour les DNS. Et je crois que ça restait encore à corriger. Alors si je vais au niveau de mon code, et puis que je fais un petit git status, a priori j'avais tout commité la dernière fois. Que si je fais un petit git log... Alors, j'avais touché au git ignore, mauvaise indentation, restart nginx. Je crois que ça, finalement, je ne l'avais pas fait. Non, c'est ça. On n'avait pas forcément touché beaucoup à la partie DNS, qui du coup doit être encore un petit peu en vrac. On va vérifier ça tout de suite. Tiens. Normalement, si je fais un SSH ISP1 VPS1, s'il veut bien. Ok, il y arrive. Et que je fais un ping vers isp1dns1.example.com. Il dit name or service not known. Donc si ça se trouve, dnsmasq est encore dans les choux. Enfin dans les choux, carrément pas lancé en fait. Donc... 10.1.0.53. Hop, et effectivement, on a notre dnsmasq. TL status. dnsmasq.service. Alors, NX domain à Cooltrain. Ah, il disait name or service not known. C'est vrai qu'on n'est pas allé regarder le résultat d'un dig. Globalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'arrivait pas à lire sur la socket. Il ne pouvait pas assigner la requested address. Alors pourquoi? Eh bien écoutez, pour une simple raison que, à mon avis, il a voulu démarrer le truc avant que le TH0 soit up. Je pense. Parce que si jamais je fais un restart, hein, on va le voir très vite. Si je fais un restart, pouf, tout va bien. Tout va bien. Et alors pourquoi? En fait, c'est parce que je limitais /etc dnsmasq.d de mémoire. C'est parce que j'ai ajouté cette petite conf là, je pense, et c'est ça qui l'embête. C'est que il n'arrive pas à écouter sur les deux adresses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ce local.conf dans /root pour le moment. Et Et puis je vais redémarrer la VM. Et on va voir si, si ça passe comme ça. Mais c'est pas forcément un truc qui va me botter et je vais expliquer. Je vais expliquer tout ça. Hop là. Alors. Sinon, un after dans l'unit. Ouais, effectivement, Cooltrain, ça peut être une idée, un after dans l'unit. Mais déjà, hop, on voit qu'on n'a pas eu de, petit message en mode, hey, au fait, il est HS. Et effectivement, il a bien démarré proprement. Il a bien démarré proprement. Alors, si je fais un petit rpm-ql dnsmasq. L'unité systemd, tiens, elle n'est pas dans les USR, lib, si, il est là. Il est là. Bon, bah, on va peut-être commencer la soirée par faire du systemd, hein, si ça se trouve. Après, mon petit local.conf, je crois que je l'avais mis là. Si je reprends, hop, si je vais ici, git, hop, Lab As code. Si je vais dans ma partie Cloud Init et que je vais justement dans ISP1 DNS1, qui est la machine sur laquelle on est en train de manipuler, et que je regarde le user data, on avait mis un truc. Justement, le local.conf, on l'avait mis là. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait mis là? De mémoire, c'est parce que... est-ce qu'on le démarrait tout de suite, le dnsmasq, ou pas? Parce qu'en fait, on lui change l'adresse IP là. Mais en fait... Alors la raison pour laquelle je balance une commande comme ça pour changer l'adresse IP, c'est parce que j'avais regardé quelques autres détails de configuration pour la config Cloud Init de la machine. Et en fait, il s'avérait que ça n'avait l'air de fonctionner que pour Ubuntu, je crois. Faudrait que je vois si c'est toujours, toujours le cas. Par contre, je trouve ça assez étonnant que dnsmasq use bind dynamic or run command following to listen on a non-local IP address. Donc a priori... Ah oui d'accord, donc il démarre après le réseau, mais il ne démarre pas après que le réseau soit réellement online. C'est quoi le démon réseau qu'il tape Cloud Init? Excellente question. Alors je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement, mais on peut aller revérifier. Cloud Init documentation. Hop. Il peut utiliser. Oui, mais alors là pour le coup, je suis sous Fedora, donc Netplan en fait, Netplan ça va pas le faire. Et c'est pour ça que j'avais carrément balancé une commande. Si tu regardes là, et d'ailleurs. Petit rappel, hein, comme d'habitude, le code est libre, le code est beau. Merci pour le sub. Oh, merci Manon. Salut Manon. Merci pour le sub. C'est gentil pour ton resub, Manon. Toujours là quand on a besoin d'elle. Et elle arrive. Ça fait 7 mois, Manon. 7 mois que tu me sub. Merci, merci. Ah, ça me... j'en suis toujours... j'ai toujours du mal à en revenir. 7 mois, dis donc. C'est fantastique. Et donc le code, hop. Le code est ouvert. Hop, le voici. Donc moi, je vais vous montrer ça dans le... ici, directement dans le terminal. Oui, ça passe vite. Le temps passe vite quand on s'amuse, hein, Manon, hein. Et donc là en fait on fait du network manager, on fait du nmcli. Bah en fait je stream pendant les vacances, enfin c'est parce que je ne suis pas encore en vacances en fait. Mais on pourra d'ailleurs en parler un petit peu tiens de mes vacances. Parce qu'elle se rapproche. Elle se rapproche. Pop, 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 pop. Où en étais-je? Oui, la documentation Cloud Init. Et on était... Ah, ou pas, tu détestes parler des vacances. Ah, mince. Bon, tant pis. Alors, pop, 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 pop. Où est-ce qu'on en était dans les... Tu détestes quand les gens me disent où ils sont allés en vacances. Ah non, moi je veux pas vous dire où je vais en vacances, pas particulièrement. Ah, j'aime pas Network... Alors, Cooltrain qui n'aime pas Network Manager, il lance pas dnsmasq lui aussi d'ailleurs. Alors, Network Manager, a priori, il a pas de raison de lancer dnsmasq. Network Manager, je suis d'ailleurs assez surpris que tu en parles sur dnsmasq, mais en gros, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait... ce que je suspecte, c'est que Network Manager... alors, c'est pas une question de Network Manager, parce que ça, c'est le Cloud Init, donc ça, c'est à l'install. Mais en gros, ce qui se passait... c'est que là, de toute façon, je sais plus pourquoi, mais je crois que j'avais voulu empêcher... Pourquoi j'avais fait ça? Oh là là. Parce que là, il démarre. Et il est en enable -now, donc par défaut, il était disable. Là, je lui colle son IP statique pour de bon. Donc, a priori, j'avais peut-être pas de raison de... J'avais dû mettre ça avant. Alors là, vous voyez, la seule solution que je vois pour retester, en fait, c'est de tracher et de réinstancier la VM, en fait, de la réinstaller. Ce qui, je l'espère, ira relativement vite. On peut peut-être tenter ça. On peut tenter ça. Donc, ce que je peux faire à ce niveau-là, ici, c'est carrément mettre en commentaire toute cette partie-là. Et aller voir si c'est réellement nécessaire. Hein, à moins que, effectivement, je l'avais mis parce que sinon... Ouais, non, j'allais dire une... Sinon, je crois qu'il écoute que sur la boucle locale. On va tester. On va tester, hein. On est là pour ça ce soir. Je voudrais que, je voudrais qu'à la fin du stream, on ait plus le souci. Donc... Ensuite, comment je vais faire? Alors, j'ai ma modif qui est faite. Et en fait, je vais aller dans le répertoire Terraform. Hop. Faire un petit Terraform init. Voilà. Un petit validate par acquis de conscience. Voilà, la conf est valide. Et ensuite, plan.out égale plan.out. Donc là, ce que je suspecte, c'est qu'il va juste me dire, il y a juste à changer le disque Cloud Init, en fait. Donc, voilà, il nous dit, le disque, juste le disque, va être refait parce qu'il y a une petite modif, là, t'as mis des commentaires. Ok, cool. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, on va aller ici, et ce qu'on va dire, c'est que, bah écoute, ISP1, DNS1, hop, on va le détruire. On va faire delete, hop. Voilà. Tac, ça c'est fait. Et ensuite, on recommence. On refait un Terraform plan. Pendant ce temps, Cooltrain qui dit... Ah, il peut. Il peut. Ah. Hop là. Alors, voyons voir ça. DNSmasq plugin, hidden gem of network manager. Ah. Ok. Ok, amusant. Ouais, mais effectivement, ça a l'air d'être pour des setups un petit peu particuliers. Hein. Ok. J'ose espérer qu'on n'ira pas utiliser ce genre de truc un petit peu... comment dire? Oui, comme il dit, hidden gem, ce petit truc un petit peu particulier. Alors, donc là, maintenant, cette fois-ci, on peut voir que, si jamais je remonte tout au bout, voilà, en gros, il nous dit qu'il va créer, il va recréer la VM. DNSmasq, ils ont un logo de groupe de métalleux. Il est où le site de DNSmasq? Je l'ai pas ici. Parce que ça, c'est pas, ça doit pas être le logo de DNSmasq. Dans l'article, ah, celui-là, là. Ouais. Ouais, oh. C'est léger, voilà. Ouais, je trouve ça aussi léger. Par contre, tiens, je suis curieux de voir le site officiel de DNSmasq, du projet DNSmasq. Non, mais c'est pas grave, Manon, il n'y a pas de souci. On va partir du principe que c'est la faute de l'écran. Ok, en fait, le site de DNSmasq, il est, comment dire, minimaliste. Hein. C'est du texte. En gros, get code. Oui, effectivement, c'est moins funky. Remarquez, y a des gens, des fois, ils font volontairement un site un peu, comment dire, soit simple, soit volontairement borderline moche, exprès pour marquer les gens. Genre, par exemple, si je vais sur le site de LibreSSL, oui, à l'ancienne, oui, ça se lit sur Links, mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est LibreSSL ou leur logo, là, leur titre, je crois que c'est du Comic Sans MS. Et à une époque, je me demande si tout le site n'était pas en Comic Sans, justement. Release. Non, même pas. Mais voilà, c'est pareil. Vous voyez, tous les trucs de la galaxie OpenBSD. Bon, alors là, non, ça part sur GitHub. Bug Report, c'est pareil. Mais si je vais sur les papers, ouais, voilà, c'est ultra clean, ultra propre. Bon, après, je suppose que le code doit pas être... ouais, effectivement, le code n'est pas... Mais alors, je sais pas si c'est de Théo, mais je crois que c'était un troll volontaire des gens qui ont créé LibreSSL en disant si ça vous casse les pieds le Comic Sans, donnez-nous de l'argent ou un truc comme ça pour qu'on fasse un meilleur site. Bon, toujours est-il que voilà, il nous dit au fait cette fois-ci on va repopper toute la VM. Donc on va appliquer. Voilà. Pendant ce temps, pendant qu'il applique, moi, je vais retourner ici. Donc là, normalement, il doit me... Hop, voilà. Allez, on recommence. Bon, c'est pas grave. On va créer, hop. Hop, allez, c'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est faire un petit sh-keygen -r 10. 53. Non, 10.1.0.53. Voilà. Et ce qui m'aurait mis aussi justement ISP1 DNS1. ISP1 DNS1.example.com. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai fait le ménage dans les clés d'hôtes. Et donc, il chouinera pas que la machine a changé de clé SSH. Apply complete, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller regarder tout de suite sur cette... hop. On peut voir que ça travaille. Est-ce qu'il affiche des choses ici? Non. Hop. On va plutôt aller le faire ici en ligne de commande. Sudo virsh console isp1 vps1. Hop. Voilà où nous en sommes. Est-ce que pour le moment, il a mis la bonne IP? Non, pour le moment, il est encore en... Ah mais non, c'est pas IPS1, VPS1 que je veux. Ça, c'est parce que je me suis trompé. C'est DNS1. Voilà. Voilà, là, on a les infos de Cloud Init. Là, il est en train d'installer les dépendances. Voilà, il installe DNSmasq. Allez, courage DNSmasq, plutôt Cloud Init. Je suis un peu fatigué moi ce soir, hein. Si je commence à mélanger les noms. Je mélange le nom des serveurs, je mélange les noms des logiciels. Promis, il n'y a pas de mélange dans la gourde, il n'y a que de l'eau. Enfin, on peut peut-être considérer l'eau comme un mélange aussi, hein, un mélange d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Alors, l'ID finished. Hop, sudo tail, bon, on va faire -20, var log cloud init-output.log, complete, success. Si je fais un petit IPA, on est bon. Si je fais un petit sudo systemctl status dnsmasq, hop, dnsmasq, donc il est démarré. Si je fais un petit sudo lsof-i, on a dnsmasq. Ah, ça doit être pour ça que je rajoutais les trucs. C'est qu'en fait là, il écoute que sur localhost. C'est pour ça. SS moins LNTP et 127.01.53, 127.00.54, 127.00.53. Il y a le 2.2.1 sur le port 53. Donc il n'écoute pas sur le. Donc c'est pour ça que j'avais rajouté la conf. Ok. Alors. Ouais, que sur le local. Donc c'est pour ça que j'avais rajouté la conf disant exactement, en disant le pourquoi de, pourquoi il y avait cette conf. Sauf que du coup, cette conf, elle a l'air de, alors, je crois, enfin si, on avait lu un truc hein, dans le fichier de conf. Si je refais un 4, si je refais un RPM moins, on va dire moins QL de DNSmasq, hop, et c'est l'unité systemd, hop, parce que je retiens jamais l'emplacement de l'unité systemd, et donc il dit use bind, alors on peut utiliser ça, alors bind dynamic, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Si jamais je fais ça et que je fais dnsmasq bind dynamic, qu'est-ce que c'est que cette option? C'est quoi cette pub? Hop, dégage. Voilà. Alors, libvirt is in the process of changing for using bind interface to in security related issue where dnsmasq. Oui, j'ai l'after, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cas de l'after, il faudrait à ce moment-là que j'aille créer un fichier dans ETC systemd, si je dis pas de bêtises, pour surcharger la conf. Donc ça peut être une idée, mais je voudrais aussi comprendre l'autre option, voir qu'est-ce qui... Pardon. En fait, ce que je voudrais voir, c'est s'il y a une option... qui est plus... comment dire? Alors, pas seulement un drop-in, mais à voir si les deux possibilités sont équivalentes, en fait. Est-ce que les deux fonctionnent exactement de la même manière, ou... Salut sur Pertramp. C'est bizarre, tu serais pas déjà venu sur un ancien pseudo, toi? Donc, où en étage? Ouais, cette histoire de bind dynamique. Donc, il disait juste... Ah non, ça c'est un article en fait. Ouais. Alors. Ok. Ok. Non, c'est juste que y a une fois, il y a quelqu'un qui était venu avec... merci pour le follow, SDS54. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Mais pour le coup, j'ai jamais joué à Hearthstone en stream. En tout cas, pas sur mon stream. Et je ne suis donc pas best marmotte. Mais il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça, qui avait déjà fait la blague. Non, non, Hearthstone n'est pas un sujet tabou, j'ai joué à Hearthstone, hein, comme beaucoup de gens. C'est juste que moi, ma chaîne Twitch, elle est pas beaucoup orientée gaming. Je jouais un petit peu sur cette chaîne Twitch, mais c'était plus justement en rapport avec les thématiques Admin 6. Donc c'était pour jouer, mais jouer après avoir monté un serveur de jeu sur le jeu en question. Mais disons que le précédent qui m'avait surnommé Best Marmotte et qui était passé dans les chats de stream, bah, il avait été un peu lourd à force. Donc je prends mes précautions. Alors, Cooltrain qui nous envoie un lien de chez Arch Linux. Hein, voyons voir ça. Je lui ressemble. Non, mais t'es pas le premier à me le dire. T'es pas le premier à me le dire. Libvirt utilise dnsmasq. Ok. Libvirt. Ah oui, mais alors, en l'occurrence ici, là, je suis sur une VM DNS, en fait, Cooltrain. Donc, la VM DNS, si je te remontre le schéma du réseau, en gros, donc le DNSmasq, il est ici, il est là. Le DNSmasq, il ne fait que du DNS, il ne fait pas de DHCP. Donc, comme il n'y a pas de... le seul DHCP qu'il y a sur ces réseaux, ça va être ceux des routeurs VyOS ici. En fait. Et donc, le DNSmasq n'est pas configuré pour faire DHCP. Et en fait, les réseaux virtuels... libvirt est configuré pour ne pas mettre de DHCP dessus. Si je te montre au niveau de la config, je vais peut-être le faire plutôt du côté de Marvin là. Si je fais un sudo virsh net-list et que je fais un net-dumpxml par exemple du default, tu vois que là il précise au fait il y a un DHCP avec un range. Et il te dit, le réseau, il a une plage IP. Alors que si tu prends, au lieu du default, si on lui met le réseau, peut-être ISP1 net1, par exemple. Hop. Et ben, je n'ai que, voilà. Tu vois, DNS enable à no. Il y a une MAC adresse, mais il n'y a même pas de DHCP, Cooltrain. Bonne soirée à toi, Manon. Pas de soucis. Repose-toi bien. Donc c'est juste une question en fait de démarrer dnsmasq avec la bonne conf en fait. Donc, il n'y a pas de souci, Cooltrain. Tu cherches, tu participes. Moi déjà, je suis super heureux, hein. Mais du coup la conf effectivement soit on rajoute une surcharge pour systemd avec ça, mais je voudrais essayer de comprendre d'abord le bind dynamique en fait. Alors Supertramp, tout à l'heure, tu parlais de tabou et effectivement, pour le moment, je suis pas encore à l'aise avec divulguer ce genre d'informations comme ça devant les gens. Hop. Alors. Ah, on peut dire que c'est un tabou qui est de toute façon bien ancré. Alors Cooltrain, qu'est-ce que tu nous dis? I was running into an issue where DNSmasq would try to bind to my device before it was up and the service would crash. Bah, c'est complètement ça. That does not require the device to be up. Ok. Super Tramp, je gagne relativement bien ma vie. Merci de t'en inquiéter. Tiens, on va le tenter comme ça, effectivement. On va faire un VI etc local.dnsmasq.d local.conf. On va faire un local.conf. Et normalement, a priori, il y a juste à mettre bind dynamique. Je dis à tout le monde que... Ok. Alors... Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, Cooltrain, hein. C'est... En fait, je pense que c'est le même que la dernière fois. Je pense que c'est le même. Il a déjà fait le coup. Je crois que c'était pareil sur la même question. Bon. Où en étais-je, moi? Oui. Je voulais créer un fichier de conf local. Et est-ce que au niveau de la syntaxe... salut à toi Bruce Wayne, bienvenue sur la vidéo. Alors quel est l'objectif du lab? Eh bien alors l'objectif du lab, je te montre, tiens regarde, il y a un joli schéma et en fait l'idée c'est d'avoir une maquette qui reproduit quelque part le fonctionnement internet. Donc on a pour le moment des routeurs qui sont tous ensemble là, en circulaire et qui sont connectés en routage dynamique. Et puis là, j'ai des DNS publics, un peu façon Google ou Cloudflare. Ouais, Draw.io ou Diagrams.net si vous préférez. Et en gros, Bruce Wayne, tu vois, t'as tout un tas de VM là qui, pour l'instant, font rien que du SSH. Il y en a juste une ici sur laquelle il y a un serveur web. Et en fait, tout ça, l'idée, c'est on les met en place avec de l'infrastructure as code, donc du Terraform, du Cloud Init, de l'Ansible, de façon à ce que, en fait, par exemple, toi, si tu as une machine sous Linux, un PC sous Linux, et que tu installes libvirt, eh ben, tu peux prendre le code qui est dispo d'ailleurs sur GitHub. Je vais te remettre l'URL d'ailleurs sur le chat. Hop. Et tu peux prendre ce code, et en théorie, tu dois pouvoir reproduire la même chose, sous réserve que tu aies assez d'espace disque et assez de RAM, parce que je crois qu'on a éclaté les 15 gigs de RAM utilisés pour le moment. Je t'en prie. Revenons à nos moutons. Alors, on voulait... Bah tiens, je vais remettre à nouveau le schéma, comme ça Bruce Wayne sera vraiment tip-top au niveau des explications. On a une petite blague en fait sur les serveurs DNS qui utilisent un petit logiciel sympa qui s'appelle dnsmasq, qui a un avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il se configure de façon assez simple. C'est que dnsmasq, je lui avais collé une petite conf pour qu'il écoute sur autre chose que sur le localhost. C'est-à-dire donc juste la boucle locale, je voulais qu'il puisse écouter sur la vraie interface réseau. Et en fait, le truc, c'est que DNSmasq, démarre un peu trop tôt dans le processus de démarrage de la VM. Et du coup, quand il démarre, il se plante. Si je lui dis, au fait, tu devrais écouter sur TH0, enfin, tu devrais écouter sur telle IP. Et il fait, oh, elle est pas encore là l'IP, et puis il crache. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et donc l'idée, c'est de corriger ce petit souci, en fait. Pour que quand je redémarre, ou quand je démarre pour la première fois mes VM DNS, eh ben, dnsmasq soit fonctionnel dès le premier coup. Et donc a priori, il y a une petite option, mais j'aurais aimé voir s'il y avait une syntaxe particulière sur cette option, qui s'appelle bind dynamique. Parce que là, il y a quoi? Interface hello, bind, interface, mais ça, on s'en fiche. Replace bind, voilà, avec... D'accord, donc effectivement, le bug est connu, visiblement. Le bug est connu. Et a priori... Ouais, voilà, c'est ça. Reboot dnsmasq fail to start. Login and start the service manually. C'est exactement ça. Et donc... Voilà, interface, voilà. Résultat, ça devrait démarrer, en effet. Alors, c'est un bug qui est fermé ou c'est un bug qui est... Closed, not a bug. Ok. Magnifique. Je suis toujours un peu inquiet quand je vois ça. Hop là. Alors, pour ce qui est du DNS, en fait, c'est... Ah, c'est une feature. Alors, attends, Cooltrain, t'as peut-être... T'es descendu avant et ils disent que c'est une feature, c'est ça? T'inquiète pas, Bruce Wayne, je vais répondre à tes questions ensuite. Ubuntu bug for similar problem. Network-online target is not used intentionally. System is configured to use. Ah non, le coup du... C'est pas un bug, c'est une feature. Ok. Ouais, en gros, c'est que comme l'option, elle existe, ils ont fermé le bug pour pas en gros, en mode, bon, ok, closing the bug, can be fixed, by already supported. Voilà, c'est pour ça. Il y a une conf qui résout le problème, donc ils estiment que c'est pas un bug. Ah ça par contre c'est moche. Alors je pense que vous le lisez. Je vais grossir le texte. Hop, pour qu'on voit bien, mais... Donc bind dynamic, c'est pris en charge uniquement sur Linux. Donc si par exemple vous avez un FreeBSD, eh ben vous pouvez pas utiliser bind dynamic, vous êtes obligé de faire un bind interfaces. Et donc, il se peut que vous ayez le même souci sur un BSD si jamais dnsmasq démarre un peu tôt. Et effectivement, il dit que bah... Ouais. Ok. Ouais, à la limite, il dit que au fait, c'est peut-être la configuration par défaut qui pose problème. C'est qu'en gros, a priori, peut-être que bind dynamic devrait être par défaut, en fait. Au moins sous Linux. Je suis assez d'accord pour le coup. Et d'où le fait qu'il y en a un qui avait dit je devrais peut-être le mettre upstream en fait. Voilà. Ah non, ça c'est OpenShift, mais... Ça doit beaucoup taper sur systemd, j'imagine, d'où la non-compat. Peut-être. Faudrait aller lire le code de dnsmasq. Je t'avoue que je suis peut-être pas assez chaud pour aller lire le code de dnsmasq comme ça tout de suite. Mais du coup on va pouvoir mettre bind dynamic. A priori il y a juste à mettre comme ça. Ou alors il faut mettre interface égale. Alors SDS 54 c'est une idée, c'est aussi une autre option. Après ce qui m'intéresse avec le bind dynamic c'est que comme le... alors, tu l'avais peut-être pas vu à ce moment-là. Ah oui, tiens, d'ailleurs, First Time Chat, SDS54, bienvenue à toi. Après le follow, d'ailleurs. Alors, tu peux aussi ajouter le démarrage de ton service dans etc network if postup.d. C'est ça, on veut un truc en drop-in, ce qui sera plus sympa. Etc network if postup.d. Alors, attends. Ah oui, Bruce Wayne, j'avais pas répondu à ta question. Quel DNS j'utilise? Alors en fait, hop là, etc. Alors non, c'est pas etc resolve.conf, c'est resolve.ctl. Merci systemd. Là, il dit 10.1.0.1 en fait. Et 10.1.0.1, c'est lui en fait. C'est ISP, c'est le routeur ISP1. Et alors le routeur ISP1. Sudo virsh console ISP1 routeur 1. Hop là. Hop. VyOS. VyOS. Si je fais un show configuration. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis comme DNS? Tagada. Hop, il est où? Ah bah voilà, next hop. Non, ça c'est le next hop. Et au niveau DNS, si ça se trouve, j'utilise le DNS du... Ouais, c'est ça, name server. Alors en fait, du coup... Ah oui, alors pour la distrib, on va la faire simple. Hein. Là, c'est la machine de Home Lab qui est sous Fedora. Et pour ce qui est de mon PC de stream, Fedora aussi. Comme ça... Tout le monde a la même conf. Je sais pas si je précise dans point d'exclamation hardware ou home lab. Je crois pas que j'indique la distrib. Enfin, peut-être que je l'indique. Par contre, pour revenir sur la question de Bruce Wayne, parce que bon, quand même, je vais peut-être finir par lui répondre. Donc, en gros, ça se chaîne un peu parce que, en gros, les DNS qui sont là. Oui, fanboy Red Hat, oui. Bah, ça va, je ne stream pas avec un chapeau rouge non plus. Hein. Et puis je suis quand même contributeur NetBSD un peu, donc bon, je suis pas non plus borné quoi. Mais pour en revenir à la question de Bruce Wayne, donc ça ce sont des serveurs DNS qui vont être DNS surtout autoritaires, et en fait ils partent sur les routeurs C2 là, qui en fait ont cette machine là comme DNS, qui est en fait l'hyperviseur. Merci pour le follow, Galeb. Merci beaucoup. Et donc, cette machine qui est l'hyperviseur, bah, elle est dans mon réseau local. Et elle utilise le DNS de mon FI, grosso modo. Mais si jamais tu décidais, par exemple, de te monter un home lab comme ça, si genre tu prends mon code et que tu te fais la même chose, bah en fait la machine physique sur laquelle tu vas monter le Home Lab, bah, si tu lui dis c'est Google mon DNS, et ben in fine tout le monde par effet de bord ira chercher les enregistrements chez Google. Voilà. J'ai dit Google, ça peut être Cloudflare, ça peut être Quad9 d'IBM, ça peut être voilà, ça peut être OpenDNS de Cisco ou les DNS de la Fédération française FDN. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, de l'histoire de... non, de l'interface de mon histoire de DNSmasq. Donc, pourquoi je suis... Ah oui, non. Hop, je me suis perdu dans mes... voilà, là, ISP1, DNS1. Donc, pour le moment, moi je serais plutôt partant pour essayer de faire une modif à DNSmasq. Pourquoi plutôt une modif à DNSmasq? Parce que c'est du drop-in. Si on modifie l'unité systemd, même si ça va, c'est pas trop la galère. Ça veut dire régénérer le truc, mais ça reste surtout modifier l'unité systemd. Mais du coup, je voudrais voir si le bind dynamique il marche. Alors si je mets juste bind-dynamique comme ça, est-ce que ça suffit? Alors, on va stopper DNSmasq. Masque. Hop, donc là, status... DNSmasq. Donc enable le DNS inactive. Ce qui est ok, je l'ai coupé. Ok, tout va bien. Maintenant, si je le start. Non, il en veut pas. Il en veut pas. Donc j'ai sans doute fait une erreur dans la conf. Et il dit quoi? Il dit fail, ouais, jusque-là il dit fail, ça ok, je comprends. Que tu fail, c'est une chose. stop, ça c'était le stop, date, finish, start job, cannot set, ah oui, ban interfaces and ban, ah il peut pas mettre les deux, alors pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là j'ai juste un ban dynamique dans le local.conf. Parce que j'ai d'autres choses là-dedans, non, j'ai que le local.conf. Et si j'ai dans le dnsmasq.conf, ça doit être parce qu'il doit avoir un bind interface, je suppose. Ah ouais, c'est pour ça. C'est qu'en fait, par défaut, il fait un listen only sur localhost. Ok. ETH0. Et si je lui dis interface, si je redéfinis le truc, là, il est content ou pas? Faut lui dire comment, en fait. Faut lui dire interface comme ça, il y a le ETH0. Non, là, il en veut toujours pas. Cannot set, moins bind interfaces and moins bind dynamic. Ok, donc en fait, il veut pas... Non, il veut pas les deux, en fait. Si jamais je reviens plutôt dans le dnsmasq.conf / bind... Voilà, il a un bind interfaces qui est là, en fait. Ah oui, d'accord, et là, il met... ok. Ah, je peux pas rajouter comme ça. Donc, en gros, c'est soit, de toute façon, je dois retoucher la conf dnsmasq existante, soit... soit je dois retoucher l'unité systemd, en fait. Donc a priori, Cooltrain, toi tu votes pour le drop-in systemd. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Est-ce qu'il y a des gens qui vont voter pour... Tiens, on va lancer un petit poll. Allez hop. New poll. Qu'est-ce qu'on fait? Modif conf dnsmasq. En plus, ou modif système, ouais, modif unité systemd dnsmasq hop systemd, et on va dire 2 minutes pour le pôle. Hop là, allez, c'est parti, petit sondage. Cooltrain, ça marche, je l'ai fait sur mon infra, je m'engage. Ah, c'est facile de s'engager quand on n'est pas route sur l'infra de l'autre, hein. Non, je te filerai pas l'accès route. Alors... Il y en a qu'un qui a eu le courage de voter. Oh, allez les gens, allez. Allez. Alors, Galeb qui nous dit « Je comprends pas trop ce qui se passe, mais dans le mais sous ban interface. » Tu ne m'as même pas laissé le temps de demander. De demander l'accès route, ouais, effectivement, je t'ai pas laissé le temps de demander. Galeb, je suis pas sûr de comprendre ta question. Il n'y a pas de souci, s'il faut que je réexplique. Je réexplique, il n'y a pas de problème. Souris typo. Ah. Chez moi, ça marche, TM. A priori, Cooltrain, ça, pour l'instant, vu que t'es le seul à avoir voté, je suppose, hein, tu... Je vais me... Comment dire, je vais partir sur ton... Sur ta propale. Donc... Quelques petites secondes et hop, donc... Alors, ce que je vais faire d'abord... Alors, Galeb disait, sous le bind interface, il y a comment bind interface pour utiliser bind dynamique. Oui, tout à fait. Ah, donc toi, tu étais plutôt sur l'autre option, en fait. Tu étais plutôt conf bind, enfin conf dnsmasq, Galeb. C'est-à-dire, en gros, revenir ici et aller ici, et au lieu de faire le bind, donc de commenter le bind interfaces, et ici de faire le décommentage, en changeant l'interface ici. Oui, donc techniquement ça ferait 50-50, même si dans le chat, ça fait 100% pour toi, Cooltrain. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais remettre, hop, je vais revenir ici. On va remettre etc dnsmasq.d local.conf. Déjà, à la base, il n'y avait pas ça. Déjà, à la base, il y avait, si je reviens ici, « 50-50, mais je ne suis qu'un dev. » Bon, c'est très bien d'être un dev. C'est très bien d'être un dev, il faut des devs. J'aimerais avoir des fois les capacités de dev. Donc, on avait dit qu'on mettait listen address directement comme ça, en fait, à la base. Ce qui était peut-être un poil moche, non? Donc, à la base, c'était comme ça. Et si je fais un système CTL start dnsmasq, ça démarre. Et si je restart, ça restart. Alors, je ne vais pas rebooter la machine une nouvelle fois, mais grosso modo, le résultat, c'est que là, avec cette conf-là, si je reboote la machine, pastèque, il n'y a plus rien, dnsmasq, il est par terre. Donc, Cooltrain, est-ce que... Bah, de toute façon, c'est très... Alors, attends... j'allais dire, hop, il est où le truc? Je pense que tu m'as linké la doc pour aller surcharger l'unité systemd. Et ça doit pouvoir se faire en drop-in. Bah oui, sinon comment on justifie le taf d'admin si c'est pas pour réparer le taf? Oh, oh, Cooltrain. Oh, 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 oh. Oh, faut être sympa avec les devs. Et les devs, faut être sympa avec les admins. Alors... automatique, default, implicite, garbage, section, option. Tu l'as déjà pensé. Oui, oh, peut-être dans le passé, mais aujourd'hui j'essaye d'être... d'être un peu plus sage. C'est pas évident, hein. C'est pas facile tous les jours. Alors, installe section options, specifiers, non. Ah voilà, overriding, vendor settings. Alors. D'accord. Donc, a priori, on peut créer un répertoire qui s'appelle init.d dans etc system. Alors, etc systemd system. Et donc, il dit unit.d. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est plutôt dnsmasq.d, je suppose. Donc là, j'ai rien. Voilà. dnsmasq.service. Du coup, ça veut dire que lui, il dit quoi? Il dit user lib systemd system. Ah oui, pour le httpd. Et donc etc systemd. Donc la première possibilité et la. Oh, il y a un... Oh, mais c'est magnifique. L'exemple, il est copy-paste friendly. C'est super. Ouais, c'est bien ça, juste la surcharge. Allez. Du coup, il faut que je crée un hop mkdir un dnsmasq.service.d ici. Voilà. Et puis on va faire dans un local.conf. Et il faut rajouter le... Alors attends, avant de faire un cat local.conf, on va refaire un petit cat du... Ah bah attends, il est au-dessus. Hop. Alors... De dire en fait, hein, au niveau de l'unité... Alors comment ils font dans leur exemple? Juste l'unité. Hop. Et non, pas point conf G, enfin. Hop, point conf. Hop. Comme ça. Et a priori, on fait ça. Donc ça, la description, on s'en fiche. Le before et le want, on n'a pas besoin de les retoucher. Et a priori, ce serait comme ça. After network.target. Parce que lui, en fait, à la base, il ressemble à... Dans son exemple, il dit juste, j'ai un assert... Ah oui, mais non, c'est qu'en fait, on n'a pas la conf par défaut, non? Ah oui, parce qu'en fait, il fait un reset des assertions existantes pour ensuite la redéfinir. Donc si ça se trouve, moi, en fait, j'ai peut-être même pas besoin de rajouter le network.target puisqu'on l'avait déjà. A priori, j'ai juste ça. Donc Cooltrain, je sais pas si tu as exactement fait la même chose avec le même logiciel. Mais là, a priori, avec ça, si je comprends bien, c'est... Oui, j'ajoute juste le after. Bah, c'est ce qu'on veut, en fait. Note 1, if one sont remove entries... D'accord, faut d'abord le clear, mais on veut pas le clear, nous on veut juste rajouter les choses. Voilà, dependencies peuvent être juste ajoutées en drop-in. If you want to remove dependencies, you have to override the entire unit. Ok, donc c'est parfait. C'est exactement ça. Donc, a priori, je peux rebooter. Bah écoute, t'embête pas Cooltrain, hein. Moi je vais rebooter la machine, on va bien voir ce que ça donne. Hop là. Et on va voir si, si dnsmasq se relance correctement. Hein. Alors en théorie, j'aurais peut-être dû faire un système CTL, je crois c'est reload, je sais pas si c'est reload quelque chose, je sais plus exactement. Et en fait ça prend en compte la nouvelle conf de l'unité. Alors, bah écoute, on va se reconnecter. Voilà. Status dnsmasq. Hop. Voilà, daemon reload. Tout à fait, Cooltrain. Et a priori, il écouterait que sur le 127. What? Pop, 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 pop. Ah non, c'est bon, il écoute sur le 10.1.053. Et si je vais, ici, là je suis sur le VPS1, hop, et que je fais un ping ISP1, ouais c'est bon, il est allé prendre la... ta réputation est en jeu, ouais bah c'est bon, là c'est bon, ta réputation est préservée. Alors, maintenant, parce que là on a fait joujou à la main sur la machine, Maintenant, faudrait peut-être rajouter dans la conf. Donc, ici. Hop, allez, on va reprendre. T'avais confiance. Oui, non, ça va. C'est pas, ça va pas, ça avait pas l'air non plus ouf niveau difficulté. J'aurais bien aimé. Enfin, j'aurais préféré avoir un truc qui soit pur, comment dire, pur DNSmasq. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis trop siloté, on va dire. Parce que pour moi, ça reste avant tout un problème de conf DNSmasq. Mais voilà, je suis peut-être un peu obtus. De fait, à ce niveau-là, donc on va donc rajouter le fichier en drop-in, comme on avait. Donc, il y avait un endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ici. Hop. Content. Bah alors justement Cooltrain, l'idée c'est de ah ouais, c'est oui par exemple, mais là ça a l'air de fonctionner donc je vais peut-être pas m'embêter. Donc on avait mis quoi exactement? etc systemd system. On a dit dnsmasq local.conf. Hey, merci pour le follow moi Mime. Merci à toi. C'est très gentil. Hop, on reprend l'emplacement de ce fichier-là. Donc, passe égale... Enfin, passe de points. Bonsoir à toi. Hop. Owner. Bah, root et les permissions sera 644 aussi. Hop, c'est très bien. Hop là, voilà. Voilà, et maintenant le contenu, et bah c'est juste unit et le after. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça a priori ça devrait être bon. Tu t'y connais pas trop, mais c'est sympa à regarder. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. T'inquiète. Si jamais tu as des questions, tu poses. Et on essaie d'y répondre. Enfin, en tout cas, sur le sujet. Et si jamais tu n'as pas forcément compris de quoi il est question... Ouais, c'est exactement ce que dit Cooltrain. On a tous été noobs au début. Alors, a priori, c'est propre. Ok, donc là maintenant, parce qu'on a testé à la main. On a testé le reboot. Maintenant, on va tester la réinstallation. Donc, j'ai ma partie Cloud Init qui est propre comme je veux. Donc, ce que je vais faire à nouveau, c'est quitter ici, hop, la machine virtuelle. Je me mets ici, là, a priori, sur cette machine-là, j'ai déconnecté mon SSH, je m'y étais pas reconnecté. Donc, je vais à nouveau détruire ma VM pour la deuxième fois de la soirée. Hop là. Et maintenant que j'ai détruit ma VM, je reviens ici, sur ma partie Terraform. Hop. Alors, Galeb qui dit « J'aime bien me dire, avant de savoir faire, je savais pas faire ». Oui, c'est pas mal aussi. Terraform init, pouf. Voilà. Donc, sur le principe, mais on sait que ça va passer le validate. Le plan... out. Donc là, on va planifier la modification vers notre infrastructure. Et donc, en gros, il dit quoi? Eh ben, il nous redit, hey, au fait, je vais te refaire un disque Cloud Init. Voilà. C'est ça, avec le contenu, parce qu'il est verbeux. Et ensuite, il nous dit, hey, au fait, je vais repoper une VM ISP1 DNS1 avec toutes les specs qu'on lui a dit à l'origine. Et donc, c'est parti. Une commande et on pop une nouvelle VM. Pouf! J'adore Terraform, franchement. En une commande, paf, comme ça, il crée des VM tout seul comme un grand. Et ensuite, moi, je reviens ici et je vais relancer un petit virage console de la machine. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et là, du coup, je suis sur la console série de la VM. Et je vais pouvoir voir le Cloud Init qui se déroule. Cooltrain, il y a aussi l'effet relire un vieux truc. Qui a fait cette merde? Ah bah, c'était moi. Humilité. Alors, il y a un autre... il y a un autre stream... Alors, je sais pas trop si je peux le... Alors, voyons voir ça. Est-ce que... Ah zut, je l'ai plus le truc. Ah, il marche plus. Dommage. Dommage. Ah, bon. Tant pis, j'ai pas les preuves. J'aurais voulu vous montrer un truc drôle, mais j'ai pas les preuves. Tant pis. Allons-y. ISP1, DNS1, sudo... Ah bah, voilà. Mais bon, il commence à... Donc là, il est en train d'installer les petits paquets en plus que je lui ai demandé. Et après, on va voir s'il démarre bien comme il faut... DNSmasq. Roulement de tambour. Alors, il prend un petit peu son temps, hein, quand même. Voilà, transaction. Tu as amende plus race pour moi. Alors non, pour le moment, puisque tu parles de la partie git, Cooltrain, pour le moment, si je fais un petit git status, on a juste une modif, et puis si je fais un petit git diff, hop, si je fais un petit git diff, et ben on a, voilà, pour l'instant, c'est ça la modif. Sachant qu'il faudra aussi que je le fasse sur ISP2 DNS1. Il faudra que je fasse exactement la même modif. Alors Bruce Wayne, Crossplane, pour l'instant, je crois pas en avoir entendu parler. J'avoue que je n'ai pas la moindre idée de... Ah non, la preuve disparue. Non, en fait, c'est juste que j'avais gardé un fichier texte avec des petites, comment dire, des petits extraits de canal IRC. Et en fait, j'avais publié ça sur un site perso avec comment dire, j'avais fait un petit bout de code PHP à l'arrache pour lister les petites, on va dire ces petites perles de discussion de canal IRC. Et puis en fait, mon code PHP visiblement, il est tout moisi maintenant et je peux pas partager avec vous cette petite perle. Petite perle qui a eu lieu il y a un petit moment d'ailleurs maintenant. Donc sinon Crossplane c'est plus orienté qu'à vitesse. Alors qu'à vitesse c'est le dimanche, c'est pas le jeudi. Tiens, d'ailleurs c'est peut-être l'occasion, ça doit faire à peu près une heure que je suis en live là. Bon, d'habitude je le fais plutôt en fin de live, mais en gros je fais deux lives par semaine. Le jeudi on fait cette histoire de Lab As code, cette saga là qui pour laquelle vous nous rejoignez ce soir, et le dimanche en fait je fais du Kubernetes. En tout cas, j'essaye de faire du Kubernetes le dimanche. Et celles et ceux qui me suivent depuis un moment savent que le Kubernetes du dimanche, punaise, il est laborieux. Hein. Mais ceci étant, si je tape Crossplane... Crossplane... Ah, c'est... Hop, voyons voir ça. Crossplane.io. Hop là. Alors, ils ont pas un truc du genre en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Parce que là, en gros, là, sur leur page d'accueil, je comprends pas c'est quoi le but. Je sais pas s'ils cherchent à me vendre une glace ou... Alors, Updown is created open source. Mais non, je veux pas aller sur un Slack. De toute façon, je suis même pas sur Slack. Upbound is the creator of open source Crossplane, the modern cloud native alternative to infrastructure as code. Ouais. Alors, Bruce Wayne, oui, effectivement, pourquoi pas que j'aille regarder s'il y a des gens qui font des comparaisons. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que le site du logiciel, la première chose que tu vois sur la page d'accueil, c'est « Eh, au fait, on a des entreprises qui ont des offres commerciales pour notre logiciel. » C'est le premier truc, moi, qui me saute aux yeux quand je vois cette page. Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'en gros, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce logiciel. La première chose que je vois, c'est « Eh, on fait du support payant, on fait du support payant, eh, à vous de la thune, à vous de la thune !» Enfin, mais d'abord, à quel problème vous répondez avant de m'arracher mon portefeuille, les gens Enfin, à un moment... Vous imaginez, je vais prendre un truc à la con, hein, mais je vais... Vous imaginez Coca-Cola? Coca-Cola qui fait « Eh, au fait, voilà les endroits où tu peux acheter Coca-Cola ». Mais oui, mais ça répond à quel besoin, Coca-Cola? Alors... Faut bien vivre, oui, mais c'est le défaut de plein de trucs du genre... Tu es d'accord, ok. Hop là, copie, link. Alors, Kubernetes cluster avec Crossplane. Ok, et B. Bon, on n'y est peut-être pas encore, nous, hein, sur Kubernetes. Et ensuite, ils disent le blog, leur blog. Hop là. Documentation, il y a peut-être un truc là-dedans. Overview. Voilà, c'est exactement ça. Là, voilà. Donc là, Overview. Crossplane, c'est un add-on open source de Kubernetes. Donc là, déjà, on commence un peu à comprendre. On sait que c'est un truc qui vient rajouter des fonctionnalités à Kubernetes et qui transforme votre cluster en un Universal Control Plane. Platform teams to assemble infrastructure for multiple vendors and expose either... Ok, bon, alors j'avoue que j'ai un peu du mal forcément à saisir, mais au moins là, sur cette page-là, au moins... on comprend vaguement, enfin, on comprend vaguement quand même de quoi il s'agit. On sait que c'est censé résoudre des difficultés de déploiement sur Kubernetes. Ça étend votre cluster Kubernetes pour prendre en charge l'orchestration de n'importe quelle infrastructure ou service managé. Mais voilà, au moins on a une idée de quel genre de techno, avec quoi on bosse, quoi. Le fameux « Eh les mecs, j'ai vu ça dans Next Impact, ils disent que c'est bien, faut me faire ça. » Bah, Cooltrain, je suis tenté de dire, marketing pour les dirlos, pas les techs, question de cible, ben... Pour moi, c'est pas... C'est comment dire, ça dépend. Ça dépend. Là, avant même l'histoire de marketing pour les dirlos, enfin, à un moment, juste dire en une phrase quelque part ici, et puis pourquoi pas dire effectivement ensuite qu'il y a des offres avec support payant. Mais honnêtement, si en tête de page, tu dis pas à quoi ça sert, voilà, c'est comme je dis, si ça se trouve, c'est juste une nouvelle marque de glace, quoi. Enfin voilà, en plus avec un logo comme ça, avec un bâton de glace à l'eau, moi je suis désolé, hein, c'est pas au CNCF que je vais aller voir, c'est l'épicerie en mat Baru, hein. Un truc que j'aime bien qui est... ouais, non, ça sera plutôt orienté développeur, mais bon. J'ai envie de croire qu'il y a d'autres sociétés qui ont résolu le problème, je pense. Enfin bref, toujours est-il que... vu que je fais pas de Kubernetes, dans l'immédiat, ce soir, je vais pas faire joujou avec Crossplane. Alors, a priori, il aurait fini. Active, running. Ok. On a, pour l'instant... Ouais, c'est bon. Il listen sur la, 10.1. Donc déjà à l'installation, enfin une fois qu'il a fait son, Cloud Init, direct après, pas besoin de rebooter, pouf, il est là. Donc ça, c'est cool. Par acquis de conscience, on le reboot quand même. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Et à la limite, pendant qu'il reboot, ce que je vais faire, c'est que on va aller prendre un petit... on va faire un petit... Vim... Cloud Init, hop, ici. On va peut-être tout faire un less, hop là. Hop. Donc, je voulais récupérer ça. Donc, a priori, je l'ai mis juste en dessous de, la conf DNSmasq. Et donc, on va aller, hop, ici, et on va faire la même, en fait. Voilà. Tac. Donc, maintenant, si je me fais un petit git diff, j'ai juste, voilà, la même chose sur deux fichiers. Et oui, tout à fait. Dans le doute, on reboot. Hop. Donc, il est démarré. On refait le petit netstat. Et 10.1.0.53. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à faire un petit git status. Git add. C'est de là. Commit, et on va dire ISP, on va faire un petit jeu, on va dire comme ça, non, hop, je voulais faire ça, 1,2, DNS1, hop, fixe crash at DNSmasq startup, DNSmasq startup. Voilà. Hop, git push. Et normalement, eh ben, si vous aviez jeté un œil au projet sur GitHub, vous devriez y trouver maintenant mon dernier commit. Maintenant, ben, puisqu'on est chaud et qu'on a recréé l'un des deux, DNS, ben, on va recréer le deuxième. Donc ISP2 DNS1, je te delete. Hop. Voilà. Et ensuite, on refait la même ici. On va dans le répertoire Terraform. Alors, je vais faire juste un Terraform plan, hop, -out égale plan.out. Voilà, donc il me fait la même chose. Hein. Il ajoute trois trucs, il détruit rien. Et au vu du nom, c'est bien la bonne VM qui le recrée. Hop. Pendant ce temps, moi, je vais revenir sur la machine ISP1 VPS1, puisque je sais, tout à l'heure, j'avais fait des petits SSH qui gênent, moi, grand R. Donc, je vais faire pareil ici à ce niveau-là. Et je vais dire 10.2.0.53, qui est normalement l'IP du DNS. Voilà. Donc là, comme ça, mes VM vont être recréées. Ça me permet de faire sauter les hostkeys SSH. Donc, on n'aura pas de grosse erreur à la prochaine connexion en mode « Ah, quelqu'un essaie de te pirater ». Hop, Marvin. Donc là, je peux me déco. Hop. Et on peut faire ISP2 pour vérifier. Allez, Cloud Init, on se dépêche. Affiche-moi des choses. Ah là là. Bon, ça va, c'est normalement assez chill ce soir, hein. Ça se passe bien, je trouve. On est tranquille, hein. Je me sens pas, je me sens pas en mode ultra pressé. Enfin, j'espère. J'espère que vous ne sentez pas non plus. Mais globalement, ça va, c'est pas un énorme problème. C'est plus de l'ordre du petit caillou dans la chaussure qu'on va résoudre maintenant avant que ça devienne handicapant. Ouais, voilà, allez, hop, il installe les softs. Alors, ce qui est d'ailleurs justement pour pouvoir instancier tout ce petit monde plus vite, je n'applique pas les mises à jour sur les VM. Parce que si je le faisais, les VM, elles mettraient facile 5 minutes de plus à se déployer. Hein. Le temps de faire un DNF update... Ce serait assez ennuyeux. Et j'ai pas envie de passer mon temps à appliquer des mises à jour pour une VM que de toute façon je vais tracher dans 2 heures. Donc a priori, on a fini la partie, hop, cette partie-là. Donc ça c'est très cool. Parce que maintenant, ce qu'on peut se dire globalement, si on revient sur le schéma, c'est que bah, on a en gros la base qui est plutôt pas mal. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On a donc nos DNS qui fonctionnent. On a... alors si je reviens du coup sur ISP1 VPS1 et que je fais un petit SSH. Hop, ici. Donc j'accepte la nouvelle clé. Je suis logué. Je fais un 4/etc host. Là, vous pouvez voir que j'ai tous les hostnames qui sont prévus. Voilà. Et du coup, grâce au remplissage du etc host, eh ben, je suis assez tranquille. Et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser dnsmasq. Donc ça, c'était assez cool. Ça, c'était assez cool. Moi, ce que je vous propose, durant, je dirais, la petite demi-heure qui nous reste... ce serait de réfléchir un peu au prochain service à mettre en place, au prochain truc. Parce que globalement, ce que j'ai principalement fait sur ce lab, donc là j'ai fait tous mes routeurs qui désignent des fournisseurs d'accès internet, ils sont tous interconnectés entre eux, enfin en tout cas 2 par 2, enfin 2 à 2 plutôt. On a deux serveurs DNS entre guillemets publics. On a des petites machines juste pour valider que derrière chaque routeur opérateur entre guillemets, il y a un réseau qui est joignable. Ce qui veut dire qu'en gros depuis n'importe quelle machine là actuellement, alors celle-ci je vais la baisser ici parce que pour l'instant on ne l'a pas faite. Celle-ci pareil, hop là. Si je reviens comme ça, en gros. Tout ce qui est là peut globalement aller faire des pings n'importe où. En gros, là, depuis ISP1 VPS1, je peux aller faire un ping vers ISP4 VPS1. Je peux même faire la démo. DNF, mais ouais, bon, DNF mec cache, à la limite, on s'en fiche. Mais si je fais un ping vers, je disais quoi, ISP4 VPS1, ISP4 VPS1.example.com, pouf, voilà. Donc il le ping. Ça, c'est cool. Si jamais je peux, est-ce que j'ai un trace route? J'ai un trace pass? Non. Ah non, tiens, j'ai pas installé trace route. Est-ce que j'ai installé mtr? Non. Bon, allez, on va l'installer vite fait. Installe. C'est quand même bien pratique, mtr. Allez hop. Et remarque, il a pas dû... il a pas dû mettre à jour là. Alors, si je fais un petit mtr, donc là, il ne me dit rien, normal. On va faire un... ouais, on va laisser comme ça. Non, je voulais mettre mtr ISP4 VPS1. Hop, on va le faire avec les DNS, c'est sympa. Voilà, donc je passe par... je vais peut-être faire un -n dans ce cas-là. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Donc 10.1.01, 10.1.22, 10.2.32, 10.3.42, 10.4.0.101. Donc si je reprends mon schéma, donc je suis ici, j'arrive à la gateway ici qui doit être 10.1.01, donc c'est lui. Ensuite, de 10.1.01, je passe à 10.1.22. 10.1.22, c'est lui. Ensuite, je descends à 10.2.3.2, c'est lui. Je descends à 10.3.4.2, c'est lui. Et ensuite, j'arrive à 10.4.0.101. Voilà. Et si jamais je fais un ping vers la 10.5.0, enfin si je fais vers hop, ISP5, VPS1, il va descendre par l'autre côté. 10.1, 10.6, 10.5. Voilà. 10.1, ça va être lui. 10.6, c'est lui. Et 10.5, c'est lui. Et il arrive là. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a un serveur web là-dessus. Je vais refaire la petite démo peut-être. Enfin, d'abord pour cela que je reconfigure. Proxy. Hop. Je refais mon petit SOX 5. OK. Et là, si je fais un http://isp3vps1.example.com. Voilà. Alors là, vous avez juste mon... comment dire? J'ai utilisé le code HTML de ma page perso pour déployer. Mais voilà, on a un serveur web qui fonctionne. Donc ça c'est bon. Et en fait, ce que j'étais en train de... ce qui pourrait être sympa comme idée, je pense, c'est... alors, ce qu'on peut faire, c'est que là... Au niveau de ce réseau-là, du réseau ISP3, j'ai volontairement mis plusieurs VPS pour qu'on puisse, par exemple... Pas de souci, Cooltrain, bah écoute, tu as bien raison, profite de la famille, hein, c'est fait pour. Soit profite bien de ta famille. Donc, on peut mettre plusieurs sites web, par exemple, pour déployer des trucs. J'étais en train de me demander, parce que sur l'ancien HomeLab, j'avais déjà fait un truc similaire en fait, mais je l'avais pas déployé en infrastructure as code. J'avais mis un peu de métrologie et de supervision en utilisant LibreNMS. Donc ça pourrait être intéressant de créer une nouvelle VM, pourquoi pas dans ISP2, et de lui déployer un LibreNMS. Et ça voudrait dire aussi reconfigurer les routeurs pour déployer du SNMP. Donc ça peut être intéressant. Et ce que je me disais, c'est à un moment, essayer de voir si on ne peut pas avoir un même site internet qui soit déployé chez deux ISP. Ah mais c'est le cas, Cooltrain. C'est le cas, hein. Alors, regarde, je te montre. Là, je suis sur le VPS. Alors, je suis sur le VPS. Je vais me mettre directement sur Marvin. Si je fais un sudo virsh console... ISP, on va dire, tiens, ISP3 router 1. Ah, il n'y a pas de problème. Regarde, je te montre. VyOS. VyOS. Je fais un petit show IP BGP se marie. Hop. J'ai deux neighbors qui sont là. Si je fais un show IP route. Voilà, j'ai toute une table de routage avec... tu vois des trucs là, les B ça veut dire BGP. Et parmi les autres idées que j'ai, bah tiens, des fois que ça pourrait être intéressant, bah, il faudrait d'abord qu'on mette en place des sites, comment dire, peut-être un site ou un truc comme ça. Ce que j'aimerais bien essayer, alors il faudra voir à quel point la conf BGP est permissive, parce que j'ai mis un truc basique, hein. si je te fais un petit show, show config, la config BGP, voilà, pour l'instant, elle est pas, voilà, il n'y a pas, elle casse pas trois pattes à un canard. Et en fait, dans les idées que j'aimerais essayer à un moment, c'est pourquoi pas avoir un site qui est, je sais pas moi, pourquoi pas sur ISP4 ou sur ISP6, et faire en sorte que l'un des ISP annonce le préfixe de ISP6 et redirige le site web vers autre chose. Façon Pakistan Télécom, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tout le monde a la ref pour ce qui est de Pakistan Télécom, mais en fait, alors toi tu l'as, Cooltrain, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas. Mais en gros, il y a plusieurs années de ça maintenant, il y a eu une indisponibilité de YouTube. Et cette indisponibilité, entre guillemets, mondiale de YouTube, elle a été causée par Pakistan Télécom, qui, comme son nom l'indique, est un fournisseur d'accès Internet au Pakistan, qui avait voulu suivre une, je crois, une directive gouvernementale, où en gros l'État ou une décision de justice locale avait dit bon bah ça suffit, il faut bloquer YouTube. Donc ils avaient voulu faire une modif au niveau BGP pour que le trafic réseau qui partait vers les adresses IP de YouTube soit purement et simplement supprimé. Sauf que en fait ils ont fait une erreur de configuration et ils se sont mis sur leur propre routeur BGP à dire au monde entier, et au fait, voilà, exactement comme dit Cooltrain, ils ont dit au monde entier, hey, YouTube c'est par chez nous. Résultat des courses, ils se sont fait écrouler, tout le monde a cru que YouTube était chez eux, bien sûr YouTube n'étant pas chez eux, YouTube était inaccessible, et en fait c'était perdant-perdant, quoi, parce que je pense que Pakistan Télécom s'est pris un beau DDoS de tous les diables, et derrière YouTube ils étaient en mode B. Il n'y a plus personne, plus personne pour regarder nos pubs. Voilà. La petite blague. Bien. Donc ça pourrait être marrant d'essayer de faire ce genre de choses. Après, dans les trucs que tu mentionnes, Cooltrain, faire du failover avec des hops supplémentaires. Ouais, ça pourrait être une idée, ça. Genre, on essaye... Parce que un truc que j'aimerais bien faire... Et c'est aussi pour ça que j'ai mis deux DNS. Pour l'instant, ils ont deux IP qui sont différentes. Mais ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais bien faire un truc à la Cloudflare ou à la Google DNS, ou alors qu'il y a une seule IP qui est valide sur les deux. Faudrait que je teste ça. Le DNS menteur version grand terme. Ouais, bah oui, carrément. Mais voilà, ce genre de truc-là, c'est ce genre de choses que j'aimerais aussi tester, en fait. Mais je pense qu'avant, ça pourrait être sympa, effectivement, que je refasse une autre VM ici. Hop. Que je la mette ici, par exemple. Et que sur celle-ci, là, je mette un LibreNMS et que je connecte tout ça en SNMP. Comme ça, on pourra voir toutes les histoires de trafic. Alors, tu en annonces une d'un côté, de l'autre, et en seconde, avec un hop de plus, tu croises. T'as l'air de gérer le truc. T'as déjà fait des setups comme ça, Cooltrain? Cela, tu m'intéresses. Ah, t'as déjà fait des setups comme ça. Bah écoute, dans ce cas-là, ça pourrait être une idée. Alors, t'as fait du CDN. Oh, tu m'intéresses, Cooltrain. Tu m'intéresses. Il y a moyen qu'on s'amuse sur les labs avec toi. Il y a moyen que t'aies d'excellentes idées, je pense. Ah, ça me fait bien plaisir que tu sois là. Toujours est-il que voilà, ça fait partie de voilà, tout un tas d'idées qui pourraient être marrantes d'expérimenter dans le lab et pour lesquelles ce lab est fait en fait. C'est ça un peu le truc. Alors, moi ce que je vous propose, c'est que là je vois mal commencer un autre truc. Donc une fois n'est pas coutume, je vais peut-être entre guillemets rendre l'antenne un peu tôt. Mais avant, je vais vous parler un peu justement des prochaines semaines. Ah, t'as fait une archi Spine Leaf. Oh, t'as dû t'amuser. Alors, on va peut-être pas faire du Spine Leaf sur le Home Lab, hein, quand même. Hein. En plus, je suis pas sûr que tout le monde ait forcément le contexte. Mais bon, toujours est-il que, hop, on va passer, bah alors, non? Hop, non plus. Oh, mon bouton, il marche plus. Tant pis, on va utiliser l'autre. Hop, voilà, comme ça. Donc, j'avais parlé en début de live que les vacances s'approchent. Oui, parce que justement, moi je stream pendant les vacances des autres, mais à un moment, ça va être à mon tour de partir en vacances. Et grosso modo, à partir du 22 août, ça va être un petit peu chamboulé. Et je suis en train d'envisager d'essayer de streamer depuis, alors peut-être pas forcément depuis mon lieu de vacances, mais en tout cas, je vais avoir un déplacement, puis je vais avoir des vacances. Et je voudrais essayer de streamer à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse un setup de stream un petit peu plus light, que je propose des activités un petit peu plus light, parce que je me vois mal embarquer et le PC de stream et le Home Lab sous le bras. Ça risque de faire un peu lourd. Et je pense que ça risque même de faire très lourd dans les bagages. Et donc, ce que je me dis, c'est que je vais quelque peu, et je vais sans doute le faire dès dimanche, bousculer un peu les thématiques de stream. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que ce que moi je vais vous proposer, c'est que je bêta-teste un setup de... ce qu'on pourrait dire un setup de stream un peu mobile, ou plutôt un setup allégé avec un ordinateur portable. Alors, comme je ne joue pas normalement d'un point de vue graphique, ça devrait pas être dramatique, mais malgré tout, Cooltrain qui propose que je mette uniquement un slip, un t-shirt dans la valise et que je mette la tour dans une valise à roulettes. Oui, alors, ça va pas être évident. Hein. C'est gentil de proposer, mais ça va pas être évident. Toujours est-il que ce que je pense, et ce sera le cas des dimanches, je vais expérimenter en fait, le setup de stream entre guillemets allégé, et je vais voir quel petit truc sympa on peut faire en version light. Du coup, ce sera pas... je pense pas que je ferai de Kubernetes. Du coup, je pense que ça va être remis à plus tard. Sauf si j'ai la motivation quand même de faire du Kubernetes dimanche, mais on verra. Je vais... En tout cas, ce qui est certain, c'est que jeudi prochain, à partir de jeudi prochain, la partie Lab As code va être en pause. Comme ça, au moins, je vous avertis à l'avance. Et pour ce qui est donc du Kubernetes, soit j'ai la motivation de continuer dimanche, soit je basculerai déjà sur le stream allégé. Alors, Cooltrain qui dit sans carte graphique dédiée sur laptop avec OBS, le mien il a du mal. Bah justement, en plus ça va être une machine assez ancienne parce que l'une de mes fiertés, c'est de ne pas avoir acheté de laptop neuf, de gros laptop neuf, en tout cas depuis près de 10 ans. Donc, alors Bruce Wayne, comment on peut récup mon schéma? C'est une excellente question. Je vais te filer tout de suite le lien vers le dépôt GitHub qui en fait contient dans le répertoire doc le schéma. Voilà, c'est là-dessus, sur GitHub. Et tu retrouveras d'ailleurs le code que j'ai rajouté ce soir. Tankpad. Alors non, c'est pas un tankpad, figure-toi, que j'utilise. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, parce qu'en plus, je suis en... C'est juste le laptop qui me sert en retour vidéo. Hop, voilà. C'est un MacBook Pro de 2012, non Retina. Hop, voilà. Hop, le retour vidéo. Coucou, Inception. Et en fait, il n'est pas sous macOS, hein, il est sous Linux. Il a eu quelques upgrades, hein, il a un SSD, il a de la RAM, mais ça reste un Core i5 de 3e génération. Et en toute sincérité, il tient plutôt bien le coup, en fait. Bon, il chauffe un peu, mais en même temps, vu la période de l'année, de toute façon... Toi, tu as le même avec une arche, bon, bah, tu t'en doutes, le mien, il est sous Fedora, hein. Mais ça reste une bonne bécane. Et c'est vrai que si ça n'avait pas été ce modèle-là, je me serais très probablement procuré genre justement un ThinkPad, genre un X230. C'est à peu près la même config en fait. Et ça passe plutôt bien. Alors Bruce Wayne, le schéma, il est dans le répertoire doc. Alors attends, du coup, je vais repasser sur un... Hop. On va repasser sur le truc comme ça. Hop. Et si je te montre sur le site, en fait, tu peux aller dans le répertoire doc. Et là, tu as le fichier au format draw.io. Donc, ce que tu fais, c'est que soit tu vas sur le site draw.io. Et à partir de là, il va te dire normalement, voilà, où est-ce que tu veux récupérer le diagramme. Et tu peux faire, je crois, device, et tu peux faire open existing. Et hop, là, tu vas chercher un truc. Sinon, tu peux... alors là, ils le disent pas, mais en gros, tu peux aller aussi installer l'application, parce que tu vois que là... Moi, je l'ai en local. Et en fait, il y a un moyen de l'installer en local. Mais je t'en prie. Merci. Hop là. Donc, je vais revenir maintenant sur hop, la scène comme ça. Donc voilà, ça va être un peu chamboulé dans les prochaines semaines. Si j'arrive à streamer depuis mes lieux de visite... j'essaierai de streamer dans la mesure du possible sur les mêmes horaires. Je ne garantis rien cependant, parce que ça reste quand même les vacances, hein. Voilà, j'essaierai de vous tenir au courant. Sachez que de toute façon, je suis en retard sur les replays sur YouTube, mais justement, je vais en publier dans les jours à venir. Du coup, vous aurez quand même accès à un peu de contenu de ma part, même si je ne fais pas de live pendant ces moments-là. Mais sans doute d'ailleurs que les lives pourraient être raccourcis à ce moment-là, si jamais il y en a. Voili voilou. Donc, sinon, en temps normal, je stream les jeudis et les dimanches. Les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Je vous propose, pour terminer, qu'on aille rendre une petite visite à Rancune. Parce que c'est un peu la tradition. C'est la tradition et je l'aime bien, cette tradition. Rancune qui fait normalement de l'électronique. Donc... hop, je vais lancer le raid. Et puis moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous dis à bientôt, à dimanche ou à jeudi prochain. Et puis d'ici là, amusez-vous bien. Allez, je lance le raid. Bye bye. Et oui, Rancune aussi, il stream.